Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to other two American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. At CBS, we had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole news and public affairs operation in 1954, relationships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them. We have. I've been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. Well, I think maybe in a couple of decades, when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. And if this was the moment when everything became monitored, that we agreed to be surveyed all the time, not just in authoritarian machines, but even in democracies. And maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 30 mai 2022, 9h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que ça va très mal. Ça va très mal, pas pour les raisons qu'on pense, pour le divertissement qu'on nous donne à la télévision, pour les idiots que nous sommes, des informations qu'on veut bien nous partager pour nous faire peur et nous garder dans l'ignorance. Parce que c'est ça le but de ceux qui nous dirigent et qui sont les médias, comme on l'a vu et on va aller le voir un petit peu plus en profondeur, sont une arme gouvernementale qui sert à contrôler et à endoctriner les populations naïves. On a vu au début de cette petite publication que je vous fais, 9h37, j'espère que vous allez bien, comme je vous le disais. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites là maintenant. La partisanerie, la politique, c'est un spectacle de divertissement que les élites nous offrent. On l'a vu un petit peu plus tôt, la semaine dernière, dans d'autres publications que je vous ai partagées. Le monde est détenu par deux grandes familles, les Rothschild, les Rockefeller, qui, via des grandes firmes d'investissement, Vanguard, entre autres, et BlackRock, les deux plus grandes au sommet de la pyramide, ces grandes firmes-là sont détenues en majorité par les deux familles dont je vous parle, qui sont les fondatrices, entre autres, des banques, du système bancaire, et qui sont au centre du contrôle et de l'agenda politique depuis des décennies. Ça fait des siècles même que ces familles-là, en créant les banques, en créant l'argent qui circule. D'ailleurs, on s'est assuré dans les années 70 avec Nixon, un des présidents les plus corrompus. Mais c'est difficile de dire qui est le plus corrompu de tous les politiciens, parce qu'ils sont tous au même niveau. On avait sorti l'argent, le dollar américain et d'autres qui étaient adossés à l'or pour qu'il y ait une valeur à ça. On l'avait retiré pour qu'on puisse imprimer à gogo de l'argent qui se tient sur l'air ambiant, et qu'il n'y a rien d'autre que l'air ambiant et la confiance que vous avez dans cet air ambiant pour lui donner une valeur. Mais c'est bien évident qu'en imprimant à volonté, on a créé de l'inflation. Mais avant de créer de l'inflation, on a envoyé cet argent-là dans les comptes en banque des grands
pour que ça ait la valeur que ça devrait avoir. Vous qui pensez posséder de l'argent, dans le fond, vous ne possédez rien. Vous possédez l'illusion en donnant vos 10, 8, 12 heures de travail à ces grands dirigeants, hein, en échange de cet argent qui n'a aucune valeur. Vous donnez votre temps. Et c'est comme ça qu'on est gardé dans l'esclavage depuis toujours et pour toujours. Maintenant, on a besoin de ces services de renseignement. Même les médias, comme on l'a vu aussi dans un comité hein, de 1975 américain, un comité de surveillance, hein, parce qu'il y a plusieurs, c'est comme ça que ça fonctionne hein, dans la politique américaine, tu as la chambre basse, la chambre haute, la chambre basse, la chambre des représentants, et même la chambre haute, on a beaucoup de comités qui surveillent les actions du gouvernement. Comité de renseignement, comme celui-là, c'était le comité de renseignement de 1975 qui s'était penché sur la question, naturellement, des implications des services de renseignement comme le FBI et la CIA avec les médias. Et on a vu que la CIA avait et infiltre encore aujourd'hui les médias avec des informations, des fausses informations. Levé avec la guerre de l'Irak, comment on a eu des mensonges qui ont été donnés aux médias hein, pour faire avancer l'invasion et le conflit. Et c'est comme ça toujours et toujours. Ça, on remonte à il y a longtemps, 1975, ça n'a pas changé. Et c'est important de comprendre ça. On a vu aussi un extrait de cette journaliste allemande, un grand journal, dont je vous avais parlé la semaine dernière aussi, qu'il nous dit, lui, qui a dénoncé le fait que il était aussi... son journal allemand et lui-même obligé de mentir pendant des années. Lui n'était plus capable, il a arrêté ça. On sait que cet homme-là est décédé dans la cinquantaine d'une crise cardiaque. Il y avait des problèmes cardiaques, donc. C'est ça, la réalité. Et nous, les naïfs, on se fait distraire par les médias qui ne sont pas là pour nous renseigner. Comme les gouvernements ne sont pas là pour nous renseigner non plus via le système scolaire, si les gouvernements étaient là pour nous renseigner et si les médias étaient là pour nous renseigner sur ce qui se passe vraiment dans le monde et pourquoi il y a autant d'injustices, même s'il y a de l'abondance, pourquoi il y a eu tout ce qui s'est passé dans les 100, 200 ou même 1000 dernières années, si on nous renseignait vraiment, si on nous instruisait pour vrai, hein, si on avait la vraie instruction, ben, c'est qu'on nous donnerait la volonté et les outils pour renverser ce monde-là qui nous gouverne. Donc, c'est pour ça qu'on nous garde dans l'ignorance. Les médias, les journalistes, comme le disait Julian Assange dans un autre extrait que vous pourrez aller voir dans les vidéos que je vous ai publiées la semaine dernière, nous dit que les journalistes sont tellement mauvais que le monde se porterait mieux sans les médias. Pour la plupart d'entre eux, il dit qu'il y en a des bons, mais ils sont très, très rares. Il dit que la majorité sont très, très médiocres. D'ailleurs, ces gens-là font aucune recherche, sont d'une paresse incroyable. D'ailleurs, les commentateurs, les journalistes que vous aimez tant préférés, hein, la masse, parce qu'il y a beaucoup de codes d'écoute quand même, puis il y a des super vedettes, ces gens-là, c'est des gens qui ont été testés et on a confiance en eux et on sait qu'ils ne trahiront jamais les corporations et la classe dirigeante. C'est pour ça qu'ils sont là et que vous les aimez tant. Ceci étant dit, chers amis, qui contrôle l'argent, contrôle le monde. Et quand on a envoyé nos soldats en Irak ou ailleurs, en Afghanistan ou ailleurs, c'était pas pour le pétrole, parce que dans le fond, tu as besoin de l'argent pour acheter le pétrole. Si tu contrôles l'argent, tu contrôles tout. Ce qu'on a fait, c'est que dans ces régions-là, tu avais encore 7 à 8 pays qui n'avaient pas de banques qui sont contrôlées par les Rothschild. Et en allant lancer des armées, des invasions, on s'est assuré qu'on instaurait et qu'on mettait en place une banque, un système bancaire qui appartient à une de ces grandes familles. Ici, l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, l'Iran, Cuba et la Corée du Nord n'ont aucune banque, faisant partie du grand réseau des Rothschild. Mais un événement est arrivé. Hein? Tout le monde s'en rappelle de ce fameux événement. Et
qui a suivi a donné lieu à un système bancaire des Rothschild en Afghanistan, en Irak. On a fait la même chose au Soudan, en Libye. Il nous reste trois pays. Grosso modo, ils sont bientôt à la veille de tomber, l'Iran, la Corée du Nord et Cuba, où il n'y a aucun ou aucune banque de ce grand consortium des Rothschild. Donc, chers amis, c'est un peu la réalité qui nous, dans laquelle on vit. Mais au-delà de ça, ce qui est important, comme on l'a vu aussi avec cet individu qui faisait partie et qui est un grand conseiller de M. Schwab au Forum international économique mondial, hein, dénommé, si ma mémoire est fidèle, on va aller le voir, c'est scientifique, professeur Yuval Noah Hariri, qui est le principal conseiller de Klaus Schwab, qui est l'auteur du grand, le grand Reset. Donc, leur plan, dans le fond, comme il l'a dit, à cause de ce qui s'est passé, entre autres, avec la pandémie, on s'est laissé surveiller, pas juste dans les pays totalitaires, mais dans nos pays à nous, et on est surveillé constamment. Et ça va aller en s'accentuant. L'un des problèmes, comme nous le rapporte un article très intéressant que je vous laisserai dans la boîte de description, comme tout le reste, un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la surveillance. Et cette surveillance-là, elle va s'accentuer. On l'a vu dans des pays comme la Chine, hein, c'est le type de technologie, parce que quand on a combattu cette épidémie, naturellement, on le faisait dans un but supposément de protection, hein, mais on a bien vu que ça a tourné au vinaigre et que tu as des centaines de millions d'individus qui sont dans la misère actuellement additionnelle à cause de ce qu'on a vécu au cours des deux dernières années, un totalitarisme complet qui a amené à la fermeture de restaurants, de commerces pendant des mois, de vous empêcher de bouger, de vous empêcher de faire vos activités, de garder les enfants à l'école, et ainsi, à la maison et ainsi de suite. Vraiment très, très épeurant, et ça a été le son de cloche où on a accepté apparemment, hein, de se faire surveiller, mais il n'y a personne qui a accepté ça. C'est eux qui disent qu'on a accepté ça. Afin d'arrêter l'épidémie, les populations entières doivent être ou doivent se conformer à certaines directives. Il existe deux manières principales d'y parvenir. Une méthode consiste pour le gouvernement à surveiller les gens et à punir ceux qui enfreignent les règles. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie permet de surveiller tout le monde tout moment. Il y a 50 ans, le KGB ne pouvait pas suivre 240 millions de citoyens soviétiques 24 heures sur 24. Et le KGB ne pouvait pas non plus espérer traiter efficacement toutes les informations recueillies. Le KGB comptait sur des agents et des analystes humains. Et il ne pouvait tout simplement pas placer un agent humain pour suivre chaque citoyen. Mais maintenant, les gouvernements peuvent compter sur des capteurs omniprésents et des algorithmes puissants au lieu de fantômes en chair et en os. Dans leur combat contre l'épidémie, de plusieurs gouvernements ont déployé les nouveaux outils de surveillance. Le cas le plus notable est la Chine, en surveillant de près les smartphones des gens, en utilisant des centaines de millions de caméras à reconnaissance faciale et en obligeant les gens à vérifier et à signaler leur température corporelle et leur état de santé. Les autorités chinoises peuvent non seulement identifier rapidement les porteurs présumés de la maladie, mais aussi suivre leurs mouvements et identifier toute personne avec laquelle ils sont entrés en contact. Une gamme d'applications mobiles avertit les citoyens de leur proximité avec des patients infectés. Ce type de technologie ne se limite pas à l'Asie de l'Est. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment autorisé l'Agence de sécurité israélienne à déployer une technologie de surveillance normalement réservée à la lutte contre les terroristes pour suivre les patients atteints de ce fameux virus. Lorsque la sous-commission parlementaire compétente a refusé d'autoriser la mesure, Netanyahou l'a fait passer à toute vitesse avec un décret d'urgence. Vous pourriez dire qu'il n'y a rien de nouveau dans tout cela. Ces dernières années, les gouvernements et les entreprises ont utilisé des technologies de plus en plus sophistiquées pour suivre, surveiller et manipuler les gens. Pourtant,
Si l'on n'y prend pas garde, l'épidémie pourrait néanmoins marquer un tournant important dans l'histoire de la surveillance, non seulement parce qu'elle pourrait normaliser le déploiement d'outils de surveillance de masse dans les pays qui les ont jusqu'à présent rejetés, mais plus encore parce qu'elle signifie une transition spectaculaire de la surveillance sur la peau et la surveillance sous la peau. Chers amis, on s'en va dans cette direction-là, c'est ça qui est le plus inquiétant. Et on profite du fait qu'on distrait les gens, on les divise avec la politique, le sexe, la religion, la couleur de la peau. Le monde est à feu et à sang sur les réseaux sociaux, il y a une guerre civile incroyable. Et pendant ce temps-là, la classe dirigeante s'amuse, se fout de notre gueule. On a imprimé des trilliards de dollars de supposément stimulus qui sont tous disparus. On ne sait pas où ils sont. Vous avez des miettes, comme d'habitude. Nous autres, on a des miettes. Et le cercle continue. Pour combien de temps il va durer? Jusqu'à la fin des temps, c'est malheureusement la dure réalité. Mais pendant ce temps-là, on peut se tenir informé. Il faut continuer nos vies, sinon on va tomber dans la déprime, parce que c'est franchement déprimant, quand tu le regardes comme ça. Mais dis-toi une chose, que tu es mieux de te préparer, parce qu'il n'y a rien que tu pourras faire pour arrêter ce qui est déjà en marche. Je vous reviens.